Salut YouTube, bienvenue dans la suite de Dungeons of Winterberg. On arrive dans le quatrième biome, on n'est jamais venu là. Voilà, quatrième et dernier biome en tout cas, ça a l'air. On va faire notre 13e donjon, si on le trouve. On est où là? On est à Brunelspumpf. Il faut qu'on trouve l'hôtel magique, étant donné qu'on va avoir des nouveaux pouvoirs, ça va être trop bien. Je leur avais tout donné à eux. Bien plus. Ouais, je leur avais tout donné. Hein. So long. Alors, il me semble qu'on en est au donjon 5, maintenant on a fait tous les donjons 4. Conseil, n'essayez pas d'entrer dans l'eau des marais, vous allez rouler comme une pierre. Ok. Si on mate la carte de ce truc. Oh, c'est plein de petites îles. Oh, ça a l'air stylé ça. Ouais, ok. Probablement avoir un pouvoir pour aller sur l'eau, I guess. Bienvenue, je t'ai cette belle journée pour faire du canoë, pas vrai? Du canoë? C'est le seul moyen de traverser, à moins que vous ne souhaitiez nager dans ces eaux toxiques, mais je vous le déconseille. Service de location de canoë inclus dans votre passe Interberg, tout compris, ça vous coûte rien. Madame Wagner, notre mère, c'est vraiment surpassé. Je connais aucun autre lieu magique proposant ce genre de service. Par contre, avant de vous laisser emprunter une de ces petites merveilles, vous allez obtenir les... le pouvoir requis et terminer le premier donjon de la zone. Simple mesure de sécurité, les donjons du coin, c'est pas de la rigolade, vous savez. Et je vous raconte pas le calvaire logistique quand les squads doivent intervenir sur ces îles. Ouais, je comprends, bro. Ouvrez le donjon là-bas. Prenez votre livret, vous pourrez vous balader en canoë tant que vous voulez. Ah, on va pouvoir juste utiliser le canoë et se balader. Ok, donc rien à voir avec les pouvoirs magiques finalement. Où les pouvoirs? Ah, ils sont là-bas au fond. Et on se tape. Et non. Oh, je t'aime pas. Aïe. Parfait. Oh, on va avoir des pouvoirs. Île des Géoliers, hôtel magique. Loin que Noé, mais on m'a dit que j'allais d'abord terminer le premier donjon des marais. Il est juste là, mais il manque un pouvoir pour pouvoir y accéder. Ça arrive, bro. Il n'y a que les pouvoirs là-bas. Oh, les canards. Je donne Bear. Allez, donne les pouvoirs. Pouvoir principal, utiliser la commande pour placer un bloc gélatineux rapide pour le faire disparaître. Vous pouvez grimper sur le bloc ou l'utiliser pour immobiliser vos ennemis. Ah, ok. Pour la distance T, la commande pour lancer un orbe plasmique. Appuyez pour immobiliser l'orbe, une troisième pression permet de le dissoudre. Le courant électrique qui anime ces orbes peut activer divers éléments. Ok. Understood. Il y aura beaucoup de trucs à visiter en canoë ici, je pense. Mais tranquille, bien sûr. Ah.
pas tant de dégâts que ça, ça. Un peu déçu. Bon, là, il y a le donjon que je dois faire, du coup. On va retourner à la base, voir ce qu'il y avait dans le coffre. Avant toute chose. Que ça valait le coup. Table rose, que notoriété sera à 190, vous êtes actuellement à 160. Ouais. Pour augmenter ma notoriété au prochain truc, prochaine nuit. Donc là, je vais monter à 170. Je pense que je peux la faire monter de 20 si je fais un truc de notoriété. Ça me paraît être une bonne idée. Hop là. Allez, let's go. Je suis prêt à entrer. 5, mon niveau d'attaque est 6. C'est vrai ça? Je le dis, c'est que c'est vrai. Ok. À tous. Droite ou gauche? Gauche. Droite.
Le Magikarp. Coffre là-bas. Je reconnais cette grenouille. Midoba, merci pour le 34e mois de sub. Demandez si vous pouvez faire la poussière, réparer mon 13e tiroir et faire mal. Je suis un meuble de première jeunesse. Merci Midoba. Pour le 34e mois de sub. C'est bientôt les 3 ans. Putain, il faut que je rajoute le badge des 4 ans. Parce que c'est bientôt les 4 ans de stream. C'est début août. Il faut que je rajoute le badge, j'ai oublié. Merci Midoba. De me faire penser à ça. T'as pas fait exprès, mais... Faut que je rajoute le badge des 4 ans, là. Oh. Il y a Aleph, il y a Aleph qui arrive avec ses 4 ans là. Sauf si c'est des subs, et ça je comprendrais en vrai. Je vais pas être content, exactement. Il faut les nouveaux badges. Je sais plus si j'en avais déjà trouvé un pour les 4 ans. Je me souviens plus. J'en avais déjà fait un. J'avais peut-être déjà fait un. Mais ma mémoire. Tu mets VIP pour ton pot. Non, impossible. Je peux pas. Attends, mais ça là-bas. Faut que je revienne en arrière ou comment je l'ai le truc là? Attendez, j'ai un doute. Tout arrive en même temps. Putain, les 100 streams consécutifs. La plus grosse streak. Rip, rip salty. Non, faudra aller sur la droite après. Parce que ça, j'ai pas pu passer. Ok, c'est bon. Les streaks, toujours moins bien que les moments. Moi, vraiment, les streaks, j'aime pas ça, voilà, je vous le dis. Les streaks, je trouve ça désastreux comme feature, voilà. Alors que les moments, c'était incroyable, mais bon, bref. Que voulez-vous que je vous dise? Il y a un moment, on peut plus rien faire. Un génie du rebond. Je pense que ce jeu-là, à la fin de l'année, sera vraiment en haut de ma tier list de jeux de l'année. Hein. Vraiment haut. Le bug. Je sais pas quand ça va tomber les 4 ans de stream, le jour exactement. Enfin, je crois que c'est le 3 août, comme ça. Enfin, je regarde. Mais ça dépend de quel jour, mais il y aura un stream spécial hein, pour les 4 ans, bien sûr. Comme tous les ans, il y aura un stream spécial cette année aussi.
Ça dégage les nullos, putain, c'est pas fini. Bon, je peux y aller, merci à tous. J'ai mis mes mesmer à 4h du matin en délai, c'est moi. Pas une heure comme toi, mais pas en no hit. Fait super agréable à apprendre, en tout cas, c'est facile en effet. J'ai une paire en no hit, mais pas sur le try gagnant, malheureusement. Bien! Bravo, Midobar. Mais ouais, mesmer, pas dur. Hein. J'ai été maté le try de. Enfin, Shisheyu aussi. Hier soir. Après mon stream pour voir comment il l'avait battu. Et ça a été très vite aussi. Mesmer, c'est gaze. Hein. Très bon boss, hein, mais pas dur. Mais très bon boss quand même. On l'aime au village, quoi. Il y a que 3 étages plus bas, il y a la fleur. C'est impossible. Chop, je l'ai jamais esquivé. Je crois qu'en ce bâtard spécifique et tout le combat contre Anno, FLS, c'est officiellement les attaques à délai. C'est toujours chiant les attaques à délai. Faut apprendre quoi, faut que ça déclique dans le cerveau, mais c'est pas facile effectivement. C'était sûr. It was sure. Zelda. Je veux faire ça pour tout le monde? Ah ouais. Incre. Démoli le gars. Le blouson D4 Limon 5 visqueux. Il va falloir que j'aille le voir l'autre hein, pour... Il faut que j'aille voir Klaus. Mais ça va augmenter mon savoir, pas ma notoriété. La Miss Mika avait été vite sur Mesmer aussi. Les deux seuls que j'avais vu dessus. Bon, ça m'étonne pas. Hein. Je pense que tout le monde allait plus ou moins vite dessus par rapport à d'autres boss. Hein. Par rapport à Relana. Ou le Lion Divin. Hein. Enfin, c'est vraiment des boss. C'est vraiment un boss plutôt anecdotique, Mesmer. Shishayu l'a fait au foulé. Non, Shishayu, il l'a fait au. Il le fait au Grand Katana du DLC. Ah oui, c'est un bouton pressoir. Pressoir pressurisé. Ah. Mais j'ai pas descendu l'échelle. Je suis un concon. Le grand katana, comme toutes les armes lourdes, ça stun très vite en fait les ennemis. Et ça, c'est pas mal. Et en plus, tu leur mets une affliction comme du gel ou du saignement. Ça fait beaucoup de dégâts. Lance de Mesmer, c'est bien, mais tu m'étonnes la portée que tu dois avoir avec ce truc. Tu m'étonnes. C'est ça qu'il va faire ?
Fallait pas les mettre en haut là. Non non, faut les mettre en face pour qu'ils crament tous les deux. Et j'ai. Arrête. Tata, elle on y est là. L2 son attaque avec les lances qui sortent du sol sur les ads, c'est parfait. Ouais, ça fait des dégâts ça. Enfin, tous les L2 d'AOE, c'est bien. Ouais, faut avoir les deux en même temps. Donc on bloque, on se casse. C'est bien ce donjon. En plus que j'ai moi en L2. Ah oui non mais en L2 oui j'ai ma faux qui s'enflamme. Bon. Il booste de dégâts mais pas ouf. Et sinon sur les points j'ai la frappe de glace du lion divin là. Donc c'est pas mal ça. Enfin, ça peut être bien. Sinon c'est toujours aussi cool. C'est un jeu incroyable. Hein. C'est trop trop bien Dungeons of Winterberg. Trop trop bien. Alors oui, mais je fais quoi de tout ça? Pourquoi ça m'aide d'être là en fait? J'ai du mal à saisir. Ah mais il y a un truc là. Mais je peux pas y aller. Non, il y a rien en fait. J'ai passé de j'aime l'univers mais c'est pas pour moi. Ok, c'est le meilleur jeu. C'est bien. C'est toujours bien quand ça se passe comme ça. C'est juste que bon bah voilà. Faut être dans le bon mood. Il y a juste des jeux des fois qui sont pas faits pour toi mais... Quand ça change d'avis c'est bien. Ah, j'avais pas vu là-haut. Même si je vais là-haut, je comprends rien. Ça n'a aucun putain d'intérêt. Je vais faire ça en fait. Je suis débile. Mais c'est normal que... Enfin, c'était les roulades le problème, Midoba. Maintenant que t'es adepte des roulades, ça pose plus de soucis. Y'a plus aucun problème. Bon. Oh. Je suis pas sûr que ça passait, ça. C'est quoi, ça? Pourquoi il y a le truc en bas du coup? Anyway. Il est long le jeu, t'es à 2 ou 3 streams dessus. C'est mon 3ème là. J'ai fait 12 donjons sur 25. Là c'est le 13ème. Pour donner une idée. À peu près à la moitié. Après, ça dépend. Peut-être que les donjons d'après seront plus durs et tout aussi. Donc.
Faut voir. Peut-être plus long, mais pour le moment, les donjons, c'est toujours à peu près une vingtaine de minutes. On a un peu plus long, un peu plus court, mais c'est l'idée, quoi. Code critique plus plus, c'est bien ça. Ok. Ça tourne. Ça a tourné aussi. Bon, je pense que j'ai pas trop le choix. Je pensais qu'elle allait sauter. Ok. J'aime bien ça. J'appuie sur la mauvaise touche, je suis dans la merde. Il était plus long ce donjon. On l'a pas encore fini donc. Let's go. Ah, c'est la fin. Attendez les gars, je me mets full life et j'arrive. Oh, vous cassez tous les couilles, voilà ce que vous faites. Y arriver à cause des lanceurs de sorts de mes couilles là. En vrai, on peut voir ça.
putain, il m'empêche d'attraper. Tu peux faire ça, toi. Oh, ça. Chiant du tout le bug. Casse-couille, hein. Les épaulières, T-Tank. /11 Oui. Merci à tous. Donjon terminé! Et il me reste un donjon 5. L'antre de machin. J'ai pas fait. Ok, on se casse. La bamboche, c'est fini, toi. Il était long, ce donjon. Il y avait beaucoup de mécaniques. Là, il me faut ma notoriété. Oh, salut! Non. C'est bien marré l'autre soir. J'aimerais pouvoir sortir plus souvent comme ça. Je me faire enchaîner des interviews ce temps-ci. Je serais pas surpris que le bar du Grand Hôtel commence à me réclamer un loyer. Si je te laisse entrer, tu passeras me voir? Non. Il me faut de la notoriété. Nouvelles épées. Pas pour toi, je crois qu'ils vont me forcer à fermer ma forge. Peut-être aider un astoir. Une autre fois. Enchanter une épée. Dégâts critiques plus plus. Ah mais si j'augmente ma notoriété, j'ai pas besoin de ça en fait. On est mieux. Qui peut augmenter un truc bien avec de la notoriété? Attendez, faut que je check. C'est qu'il y a de libre sur ma carte déjà. Ah, il y a eux, Dany notoriété, Alex notoriété, savoir divertissement, Renault. Oh, Dany. Il n'y a qu'eux qui vont augmenter ma notoriété. Bon bah vas-y hein. Meilleur jeu de l'année avec Little Kitty Big City. Je l'ai pas fait Little Kitty Big City encore, mais je sais pas, ça m'inspire pas. Il y a du monde autour du feu ce soir. Terminé. Je vais te chercher des donjons sur internet comme de la triche. Je vois du feu, mais la relation avec les personnes présentes s'approfondira. Je gagnerai en notoriété, en détente, à savoir en divertissement. Ça peut être bien parce qu'avec Renault et l'autre, j'ai rien.
Go la soirée avec Danny, on va enfin le connaître. Faut que ça augmente ma notoriété en plus. C'est de la triche de regarder la solution d'une ligne sur internet de temps en temps. Alors oui, je triche, c'est quoi le problème? Attends, t'as accès à internet? Non mais j'ai une imprimante à la maison, certains sites proposent des astuces over ma PDF. J'ai besoin de recourir à ces méthodes infantilisantes, c'est que tu n'as rien à faire dans un donjon. Ah ouais, c'est toi qui décides qui a le droit d'entrer dans les donjons? Tu détiens la vérité suprême au grand Manitou d'Interberg? J'en sais beaucoup, ouais. Et toi, tu regardes les solutions des donjons des fois? Non, je suis d'accord avec Renaud. Renaud a raison, c'est incroyablement satisfaisant d'atteindre la sortie d'un donjon après avoir relevé tous ces défis en trichant, tu te prives de cette sensation. No backseat, ok? Même dans le jeu. Oh désolé, madame la chasseuse pro. J'ai pas une réserve infinie de temps libre perso, je vais devoir retourner au taf à un moment. Et avant, je compte bien boucler les 25 donjons, tous les moyens sont bons. Je passe souvent sur les forums dont parle Alex quand je rentre chez moi. Ah ouais? Bien sûr, la chasse au monde, c'est une passion qui se partage, la communauté est vraiment sympa et accueillante. Pouah! À quelques exceptions près. Est-ce que je vais avoir assez de notoriété? J'en ai été long. Ah, j'ai que plus 20 du coup. Bon, l'avantage c'est que le jour d'après ça ira. Il me reste un donjon 5 à faire donc ça va. Il est où le donjon 5 d'ailleurs? Y'a un truc? Une cloche. Qu'est-ce que... Pourquoi y'avait un gnome trésor chez moi, moi? Où il est? Ça a l'air d'être un cauchemar. Ah non. Gardez votre calme, nous avons la situation en main. Une enquête est en cours, mais il semblerait que ce tremblement de terre n'ait pas causé de blessures graves ou de dégâts trop importants. Et ces monstruosités visqueuses? Qu'en faisons-nous? Je comprends pas votre question. Vous savez ce que c'est? On est en danger. L'équipe de spécialistes les étudie, ces choses semblent inoffensives. Très rassurant, merci. Votre sécurité est notre priorité absolue. Nous avons d'ailleurs le plaisir d'annoncer que le séisme n'a pas frappé les donjons. Bonne chasse à toutes et à tous. Pff, super, il y a du pétrole dans la ville là. Il y a du goût magique dans la ville et tout le monde s'en bat les couilles. Dis qu'un monstre m'avait réveillé ce matin? Sans rire. Sans rire? Ouais, quand j'ai ouvert les yeux, la créature me zyotait. Ta journée était plus rock'n'roll que la mienne, tu faisais quoi après? Bon, ça sautait par la fenêtre, j'ai essayé de le suivre, mais il était trop rapide et a réussi à s'enfuir. Ensuite, c'est parti en cacahuète. Tous les coups, il voulait que je le suive. Il aurait pu se cacher après avoir sauté, mais non, il a attendu que je sorte avant de foncer en direction de la gare. Bon, je vais aller me faire un donjon à toutes. Je vais vraiment chasser des monstres cet après-midi, malgré tout ce qui s'est passé. Pas toi? Non, j'attends aujourd'hui, c'est journée spa. Oh la nulle. Ouais, bah il est là à Doberkogel, hein. Le 5. Pas de blessure grave, j'ai vu des PNJ des pop perso. C'est ça, ils ont des pop. Ah, c'est un jeu indé, hein. Il n'y a pas toutes les réactions, mais c'est pas grave. Mais du coup, il y a une méta-histoire, il y a une histoire à travers les histoires. C'est pas juste que faire des donjons. En fait, il y a même l'enrobage qui est bien aussi. On va voir le lore et tout. Dans les derniers donjons, il va y avoir des gros boss. Les gros boss de zone. On va voir ce que ça donne aussi. J'ai hâte d'affronter le boss au sommet de la montagne, encore un peu d'entraînement et j'aurai une chance de le battre. Non, t'as chié, meuf. T'as chié, meuf. Pas grand chose à leur donner aujourd'hui. Il est où le donjon 5? Eh, salut! Comment ça va, Marina? Ils sont où les donjons?
7 donjons dans cette zone, ouais. Entre le sommet de Warkogel, occupé par le boss, ouais. Il y a un donjon tout près du sommet, mais je l'ai terminé, ouais. De côté, il y a un chemin maintenant à deux autres donjons. Deux gardés par les monstres écorias, un peu plus loin sur le chemin, je crois que tu as déjà exploré. L'autre se trouve un peu plus loin, mais je crois, je suis sûr que tu as déjà exploré. Il reste deux autres, mais j'ignore où ils se trouvent. Ça se trouve, ces tentacules gluants ont créé de nouveaux chemins permettant de les atteindre. Ah, ok, d'accord. Manière de sortir et rentrer d'une maison alternative, c'est magique. C'est ça, c'est la magie. Du coup, ça va. Ah, peut-être là. Du coup, tentacule là. Ou tentacule ici. Ou tentacule là aussi. Bon, on va aller voir tentacule là-bas déjà. Pratique ça, le pont tentacule. Oh, c'est gluant. Il est bien fait l'effet. Le jeu est beau, hein. Le cel shading, ça fera que le jeu, dans 20 ans, il sera toujours aussi beau et on pourra toujours y jouer. Et ça, c'est bien. Ça piquera pas les yeux. Oh, il y a un donjon. Donjon 7. C'est pas le bon donjon. Oh, attaque physique plus plus, ça, ça va nous régaler. Juste le TP, comme ça on l'aura. Mais c'est pas lui qu'on veut faire. Glou glou glou. Vous aussi, ça vous arrive de dépop IRL? Moi j'adorerais faire ça en vrai. Genre t'es dans une situation chiante et tout, tu veux te casser, tu dépop. Trop longue. C'est insane. C'est un pouvoir de fou. On est où là? Oh, on est là. Du coup, c'est pas là. C'est peut-être là, en vrai. Ici. Tentacules qui font des chemins, c'est quand même vachement arrangeant. Nouveau donjon. Dites-moi que c'est le 5. SVP. C'est un 7. C'est 7. Alors, j'ai trouvé deux donjons 7 ici. Let's go. C'est quoi ça? Oh, ça fait venir un coffre. Ça vient TPTP les roues de tentacules, j'imagine bien. Dégâts en série. Ça fait quoi ce talisman? Je le trouve pas. Je suis débile ou... Ah, dégâts en série. Dégâts d'attaque physique rebondissent sur les ennemis à proximité. Oh, c'est bien ça. Bon, il est pas là. Là, du coup? J'ai biodégradable quand t'as plus besoin, c'est parfait. Biodégradable. On sait pas s'ils se dégradent pour le moment, ils ont l'air d'être là. Hein. Ils ont pas l'air de vouloir bouger. Attends, mais il est où ce donjon 5 de mort?
Il y a des endroits où je ne suis pas allé. Pas allé, Skibididoum. Un terminé. Sept. Un. Trois. Sept. Un. Un. Peut-être plus en haut de la montagne ? Oh, j'en sais rien, les potes. J'ai fait ça là-bas ? Non, j'ai pas fait ça là-bas. Je peux peut-être le faire. Test. Quoi déjà ? Ah oui, c'est les bombes aussi. Très pratique. J'ai pas eu de chance, je me suis fait avoir deux fois par la même attaque. J'ai oublié. Oh, pff. Sortir la bombe, ça met 1000 ans. C'est bien parce qu'ils sont pas 12 000 là autour de moi. Rien. J'ai plus de jus, les potes. Trop dur. Il est où, là? Le temps de sortir le truc, ça met 1000 ans. C'est... Ça vaut mieux faire ça au début. Voilà. Et là, on est bien. Dégage. Ok, il est mort. Et là on respire. On respire, mais ça fait mal. J'ai le temps. Merci à tous. Ça, ça a mis 1000 ans. Ça nous dit pas où est le donjon 5. Au moins, on a fait ça. Peut-être qu'il est là-haut. Je vous ai cramé, vous ? Je crois pas, hein.
Un petit donjon 5 par là. C'est sûr et certain. Ça se trouve, c'est le donjon 18 000. Du boss. Parce que c'est tout au sommet. Oh, c'est le donjon 5. L'antre du Tatzelworm. Ah, c'est un vrai... c'est le boss. Oh, let's go. Oh, il y a un donjon boss. Trop stylé, ça. Bon, la porte est pas pareille, vas-y, je vais le défoncer. C'est vrai que le donjon du boss, ça soit pas forcément le plus haut level de la zone. Il n'y a que le boss, vous allez voir. Oh. Je crois que c'est un gros verre de terre, là. C'est le retour de Ricard. Oh, c'est stylé, hein. Épée à écho 5. Enfin, j'ai l'épée à écho 6. Dommage. Elle tape à combien l'épée avec O5? Ah non, j'ai pas... 77. Elle est mieux que celle que j'ai. On va la garder quand même. On va la changer direct après. Where is the worm? Il fait peur le con. Il a l'air d'avoir une bonne bouille. Bah. Hein? Ouais, il y a juste le boss. Bien ça. Bien de battre. La musique. Tatzelworm, menace rampante. Aïe. Oh, il a une bonne gueule, hein. Comment on te bat ? Qu'elle a vu. À vous faire. Yeah.
maintenant on peut le tabasser. Oh, il est stylé. Ah, ok. Chat du type. J'ai l'impression qu'il va me ken. Je sais pas pourquoi le jeu n'a pas voulu, mais... Ok, ça a marché quand même. On a de la ville boug, hein. Let's go. Try. First try en doudoune. Il y a plein de trésors et d'argent. Spécial séisme. Genre bien. Foncez vous sous terre et effectuez ventrer le sol sous les pieds de vos ennemis. L'antre du Tazelworm. Finito. Donjon 6 maintenant.
Pour la notoriété, va passer à 190 pour l'épée. Faudrait que j'aille voir Klaus. Chasse a été bonne. Et ton spa? Et toi, ton après-midi spa? Bien relaxant. J'ai entendu dire qu'il y avait des tentacules liants dans Twinterberg depuis ce matin. On peut marcher dessus? Stylé. Ouais, qu'ils vont ouvrir de nouveaux chemins et conduire vers de nouveaux donjons. Ah voilà, j'ai une grande nouvelle. Une nouvelle exceptionnelle. Laquelle? J'ai parlé de mon travail pour le musée du village, n'est-ce pas? Forcément, j'étais obligé d'aborder ce sujet ô combien captivant. Nous avons regroupé bon nombre d'artefacts qui retracent l'histoire d'Interberg, de ses débuts en tant que petit village de pêcheurs à sa période de station balnéaire dans la Rome antique. Figuration a lieu demain, vous allez enfin pouvoir visiter l'endroit le plus palpitant d'Interberg. Plus palpitant après les donjons, hein? Au coude à coude, si vous préférez. Vous devez absolument venir demain soir. Je vous attends également, jeune fille, ce sera une pure merveille. On viendra. Enfin, qui me fait chaud au cœur, vous aurez droit à une petite visite guidée. Bon, demain soir, c'est savoir. Bien vu, il pourrait nous aider à mieux comprendre ce qui arrive au village. Ce musée nous apprendra peut-être des trucs. En plus, je sens qu'il n'y aura pas grand monde à l'inauguration. Notre programme pour demain soir. Ah, je pensais faire le plein de potions et d'équipements. Nos produits sont arrivés chez Guerin Mort et à la boutique d'Anna. C'est vrai, ça? Ouais, de vrai, ce mensonge. Il est vrai, ce mensonge. Acheter épée. 167 pour 98 800. Dur. Ce qu'il nous faudrait en vrai. Hein. Si je vends. Est-ce que j'ai assez? Non, mais si je vends l'épée à écho 6, je peux acheter l'autre. L'épée à écho 5, je m'en fous. Non, mais en vrai, je peux juste faire ça, en fait. L'épée à écho 4, je m'en fous. Et la cannibale, je m'en fous. Donc là, on est bien. Du coup, chez Gearzen Mort. J'achète l'épée Kraken. La dégommeuse C8. Elle a pas d'emplacement par contre. Ouais, mais bon, elle double tout. Oh non, la dégommeuse C8 là, c'est incroyable ça. Ok. Et du coup, je vends les autres, en fait. Ça n'a aucun intérêt. Et mes protections, j'ai quoi de pas bien? Blouson à 21 si je le nettoie assez bien. Collier à écho, c'est forcément moins bien. Collier comme ça, c'est forcément moins bien. Collier à limon, on s'en fout. Ce blouson là, on s'en fout. Collier, on s'en fout. Gaine à écho, on s'en fout. On s'en fout de ouf. Avec le blouson globalement là. Mais est-ce que je peux pas acheter mieux? Un peu, mais on s'en fout un peu, non? En fait, ça protège pas beaucoup plus. Ah, c'est 42 quand même.
Celle-là, c'est vraiment beaucoup mieux, ok. Bon. On va forcer à fermer ma forge. Y'a quoi en boutique? Nouvelle attaque spéciale, les tornades. Une météorite, talisman. Multiplicateur d'attaque. 50k le blouson décathlon, ça fait cher. Ça fait cher, mais il protège beaucoup. Après, je viens littéralement de doubler les attaques de mon épée avec, en achetant une nouvelle épée à 100 000 balles. Pour consulter les relations, qui peut m'aider là? Relations boostées, on s'en fout. En vrai, le butin revalorisé avec Capitaine Papat, ça peut être bien. Hein. J'ai peut-être passé ma soirée avec Capitaine Papat. Hein. Les améliorations de protection avec Anna, c'est pas mal. Bénéfice de vente avec Juliane, ça aurait pu être bien. Recherche d'AS plus rapide. Endurance. Compteur de combo, on s'en fout en vrai. Chrono, mode photo. Gertrude et Henning, je les ai jamais vus. Je vais lui faire un cadeau. Bouquet de fleurs. Grande potion magique, merci. A plus. Ah, y a pas Capitaine Papat. Y a Jay, Détente, Klaus. Klaus, ça peut être utile en vrai. Julianne. J'ai pas des quêtes pour parler à des gens. Ouais, je sais pas trop avec qui passer la soirée là. Gertrude, c'est 20 000 balles. Hein. Klaus, je pense que ça peut être bien en vrai pour le nettoyage du limon. Klaus, j'arrive. Ça fait un moment que tu m'attends en plus. Tente de te voir, j'espérais que tu viendrais. Quand se passe l'aventure, j'ai cru comprendre que t'en tirais pas trop mal. De mieux en mieux. Y'a un mec, je t'invite à dîner, si t'es pas à ton avis du ailleurs, et certains sujets sur lesquels j'aimerais entendre ton avis. Si je passais la soirée avec Klaus, je pourrais en savoir plus sur le village. Je passe la soirée avec Klaus. Klaus a commandé un plat vegan. Le serveur doit bien le connaître. Il fait aucun effort pour cacher sa désapprobation. Oh putain, ils aiment pas les vegans dans les Alpes. La plupart des gens seraient rentrés chez eux après un tremblement de terre pareil, tu sais. Ceux qui font le choix de rester ont tendance à se montrer imprudents. Ils se sont déjà trompés la mort plus d'une fois. Ils s'imaginent pouvoir recommencer. C'est pour ça que je m'inquiétais. Tu m'as l'air d'avoir la tête sur les épaules. C'est rare dans le coin. Par rapport aux autres aventuriers, vous voulez dire? Rien qu'aujourd'hui, j'ai accompagné 8 aventuriers amateurs dans le donjon débutant. 8, une vraie bande de clowns. De clowns? L'un d'eux portait un masque de lutte mexicaine et insistait pour que je l'appelle El Enigma Alman. Enterberg, tout est fait pour encourager ses comportements. La bureaucratie, le marketing, toute cette fichue machine. Les gens viennent ici en vacances, ils veulent juste passer du bon temps. En tout cas, c'est pour ça que je suis là. C'est peut-être ça le problème, peut-être que ce village ne devrait pas être un lieu de vacances. Tout est revenu à la normale dans le donjon depuis, enfin tu sais. Pourtant je deviens nerveux à chaque fois que je dois y conduire un nouveau chasseur. C'est la haute saison, plus d'une vingtaine d'aventuriers débarquent chaque jour. On devrait fixer une limite et contempler la magie avec émerveillement, non avec convoitise. Le village tout entier est une vraie bombe à retardement, il suffit de regarder les derniers événements. Exactement. N'arrête pas de répéter que ce boulot est trop tranquille, il faut que ça change. Je pourrais commencer par réévaluer la sécurité, s'ils tiennent tant que ça à garder le rythme actuel. Ils n'auront pas d'autre choix que de me donner une équipe. Ça peut paraître insignifiant, mais il y a des ordures partout dans les donjons et sur les chemins de randonnée. On n'arrive même pas à empêcher les gens de jeter leurs déchets n'importe où. Comment leur faire comprendre qu'Interberg n'est pas un terrain de jeu? Les gens vous connaissent, et pas seulement dans la région, vous pourrez peut-être en profiter. Peut-être bien. Je vais avoir besoin de réfléchir, n'hésitez pas à passer me voir si tu as un moment.
Et tant que j'y pense, si jamais tu trouves de l'équipement couvert de matière visqueuse, ne le jette pas. Apporte-les moi. Je sais comment nettoyer cette saleté. Merci pour cette soirée, Louisa. Ça m'a fait plaisir de te voir. Let's go. Enfin, pouvoir nettoyer, c'est... La bonne matière visqueuse, là. La journée a été longue. Si je crevais, je ferais mieux d'aller me coucher. Et clairement, regarde, hop. Dodo. Aujourd'hui, je repars explorer Doberkogel ou Interval. Les tentacules sont pas très esthétiques, mais ça va pas m'empêcher de les chercher. Certains doivent mener à de nouveaux endroits cool. N'oublie pas qu'on a promis d'assister à l'inauguration du musée ce soir. Et bien sûr. Bon alors, quoi de beau aujourd'hui? Je sais pas où je vais. J'ai débloqué la machine à laver au bout de 10 heures de jeu. J'aurais bien aimé voir mes trucs. Bon, tous les donjons 4 sont... 5 sont terminés, je crois. Il faut que j'aille au donjon 6. Donc il y en a un. On n'a pas Interval. Ils sont tous à Brunsulmfurf. Donc on va aller à Brunsulmfurf. Mon niveau d'attaque est 9. Mon niveau de défense est 6 par contre. Pas de chance. Mais la meilleure défense, c'est l'attaque. Quoi les donjons quêtes? Ça doit être des donjons où c'est des donjons où je peux accéder pas par exploration mais parce qu'une quête va m'y emmener. Midoba. Donc c'est l'histoire du jeu qui va m'y emmener. Probablement. C'est un donjon 8 donc c'est probablement vers la fin. C'est tous les donjons de niveau 8? Tous les donjons de niveau 8 sont comme ça vraiment? On peut pas voir là. Mais il y a moyen, ouais. Après, là, il me reste 2 donjons 6, 3 niveau 7, et après, j'ai les clés donjon 8. Et j'ai le dernier donjon, le 9. Ah non, il y en a 2, 9. Ouais, il y a que 2 donjons 8 qui sont quêtes. Il y en a 3 qui sont normaux. Service de location de canoë inclus dans votre pass Interberg. Choisissez un canoë. On a qu'un. Let's go! Trop bien. Tous les donjons 4 sont des donjons 8, ça c'est vrai. On va où là? Elle est là. En face de moi. Il y a un donjon 7. Ça va être chiant ça pour y aller. Dégâts que je fais. Barrière de papillon. Oh, cette attaque spéciale. Lâchez une barrière de papillon ravageur sur vos ennemis. Petite force. Hein. Test. Je peux passer la journée à me détendre. Trois grandes potions de soin. Donjon 6 là.
donjon caché. Non, il est pas caché. Et je peux pas y accéder. Par contre, on peut faire apparaître un donjon sur cette île en bidouillant les phares, mais j'ai beau revenir encore à corps, je comprends pas ce qu'il faut faire. Je me dis que je devrais peut-être laisser tomber. Oh. Oh. Énigme pour rentrer dans le donjon. Je vais bidouiller le phare. Il y a un autre donjon 6. L'île au boulot. Il y a Gilles. Allez. Mais d'accord, j'ai bien équipé mon épée qui tabasse comme Jaja. La dégommeuse C8 à 167, ouais. Bon. La dégommeuse C8. Si j'avais la dégommeuse C8, j'arrêterais la diffusion de TPMP, je pense. Malheureusement, je l'ai pas. Ah. Trop dur. Ça fait trop de dégâts, ça. J'aime bien. Trois. Quatre. Oh mon dieu. Bon, j'ai plus de bonus d'attaque. Life, donc on s'en fout. Putain, le mec, il avait pas compris ça. Il cherchait le donjon. C'est vraiment un nulos. L'énorme nulos, c'est une dinguerie. Il y a un autre phare là-bas. Il y a beaucoup de phares en vrai. Il y a un autre donjon là-haut. On va en profiter. Et les petits loups. Les level 6, c'est un plaisir quand même. Ça dégage les nulos. Oui, on récupère plein de trucs. J'ai rien vendu aux autres. On a trouvé l'autre donjon 6. Ça fait plaisant.
repartir en canoë d'ici. On va faire ce donjon 6 là, hein, on est devant. Juste me TP pour aller vendre les trucs. Hop là. Attaque spéciale se recharge plus vite, c'est énorme. Plus de reliques encore. Prochaine récompense, 300 reliques vous font augmenter votre puissance d'attaque. Oh, c'est bien ça. Donjon 6, on a dit ici. Let's go. Impossible de perdre challenge. Très accueillant ici. Je voulais pas te donner de l'équipement. Plutôt que de me donner les potions de soins dont j'ai rien à foutre. Il y a quoi là-bas? Un coffre. 10 000 balles. Tout est pardonné. Ça a l'air bien là-bas, j'y vais comment? Je vais par là-bas. Les dégâts sont ahurissants. T'es mal à la courbe de dégâts. Ah non. Ok, faut les trouver. Ah.
Mordas. Château noir. Dégâts critiques plus. Bon, je vais là-haut. J'ai pas le droit, je suis interdit de là-haut. Allez là par contre. Fluide as fuck la progression. Ça donne envie de faire TOTK. En avoir deux en même temps du coup. Où est le catch? De faire ça. C'est vraiment ça. La folie. J'ai personne. Vas-y, c'est la folie. Oh, le lit est géant. Il y a des pantoufles géantes. Incroyable ici. On vit, hein. Envie des moments d'émotion là.
Legging Décathlimon, OMG. Je vais pouvoir nettoyer un legging, est-ce que vous vous rendez compte? Il va monter à 16. C'est pas ouf, hein. 16 et 31, quand même. Ouais, c'est pas mal. Enfin, on a bien fait de débloquer la machine à laver, c'est moi qui vous le dis. Voyez un didgeridoo, là. Ça fait 8 ans que je suis dans cette zone. Hein, on va pouvoir revenir par là. Smart boys, didgeridoo. Par le didgeridoo de l'autre côté, on est bon. Stylé. Il y a didgeridoo de l'autre côté. Oh, t'as vu ça? Pas vu du tout ça. Maintenant, faut aller là. Métier à tisser. Ça me saoulait, lui. En vrai, geler les ennemis, c'est fort. Je l'utilise plus. Bien plus que ce qu'on fait là. Caché là, non. Pourquoi? Ah, parce qu'il faut les allumer en même temps pour ouvrir la porte. Logique. T'es là-bas. Merci. Je m'auto-mercie. Vite.
Attaque physique plus. On commence à avoir des gros talismans. Oh non. Je one shot les araignées. Un malade. Quoi? Attends, je vais les fumer, j'irai chercher le coffre après. Sinon ça va être chiant. Trop mal hein. Mais... Ah putain, il y avait le gars, j'ai pas vu. Ils font mal les bugs. D'avoir du poison là. C'est la dingue d'être empoisonné en vrai. Ça va bien mieux de faire ça. Le problème d'ici en fait c'est que les sorts magiques ils sont très peu utiles. On s'y fait. Très peu de dégâts les sorts magiques. On va didgeridouer là. Ouais, on va didgeridouer là. Comme par une évidence. Et c'est la fin du donge et j'ai pas trouvé la pièce. Dommage. Aucune idée d'où aller en plus, hein. En vrai de vrai. D'accord que je l'ai pas. Le château, désolé. J'ai pas où aller.
pas tenter de la chercher, mais... Il y a un coffre que j'ai pas vu, quelque part. Je suis pas sûr de ça non plus. Ça, tout est possible. Peut-être un truc évident que j'ai pas vu. Quand même. Où est la pièce? Éventuellement être par là. Pas placé au bon endroit. Mieux. Je suis de la giga chatte en fait alors. Que je suis en train de me dire. Thank you.
je peux juste faire ça. Un truc pour faire ça. Et du coup, j'arrête d'être con. Je peux se dire que c'est pas mal. Sortir par là. Ça me semblait. Fait à l'envers, il y a rien. Où est cette putain de pièce là ? Comme tout à l'heure. Il bug à cause de ma mort, ces trucs là. Non, parce qu'elles sont jamais trop cachées, ces pièces. Sauf là où c'est littéralement impossible. J'ai aucune idée où je l'ai pas vue. Let's go. Ouais, t'es marrant qu'elle soit là-haut. Elle grimpe sur la chaise, il se passe rien de plus. Je suis Bézaïx. J'avoue que je sais pas trop où c'est que j'ai pas vu un truc. Chafou. Probablement insane, mais je donne ma langue au chat là. En plus, les coffres qui traînent, on les voit quand même de loin. C'est pas des trucs trop cachés. Ouh. Let's go. Là-haut, il y a un truc peut-être. Il y a rien. Hein.
Ouais, moi je sais pas. Je pense que je vais m'en battre les couilles. Et puis voilà. Ça me paraît être la meilleure manière de deal with that. C'est de m'en foutre. Et là, putain. C'est évident que ça allait être un truc nul dans le genre. On a perdu 8 ans là-dessus, let's go. Mais au moins on l'a fait. Allez, on se casse. C'est le soir. Voilà, pile à l'heure en plus. Pourquoi ? Bonne inauguration de musée, on a promis Albert de venir, t'as déjà oublié ? Je crois que cette soirée va m'aider à en savoir plus sur le village. Suis-moi. Déjà ? Eh, je préfère me tourner vers l'avenir, nous vous réservons de belles surprises, vous verrez. Toutefois, les parfois bandes seraient même mal passées. Conservateur, c'est magnifique. Musée n'est autre qu'un célèbre expert international en magie et chasse aux monstres. Humph. Je vous garantis que l'exposition ravira les enfants du pays, non du monde entier. Et l'attente touche à sa fin, je déclare le musée du village officiellement ouvert. À vous de jouer, professeur. Vous n'entrez pas? Je suis retenu ailleurs, une mère a toujours fort à faire. Elle en a rien à foutre. Je comprends, allons à l'intérieur, cher ami, si je ne m'abuse, nous avons un buffet avec des mini schnitzels roulés. Oh les schnitzels. La première mention d'un Hinterberga datée de l'an 1136, c'est fascinant. Aux alentours de 1440, les villageois ont quitté Hinterberg en masse. Le passage dans les bois dès qu'elle sortait des gobelins et des sorcières, ça te rappelle pas un truc? À l'incident de 1440, je me doutais bien qu'il attirait votre attention. Il est écrit que le village est revenu à la normale une vingtaine d'années plus tard. Pour un temps, oui, mais au fil des siècles, plusieurs rapports ont fait état de phénomènes surnaturels fréquents à des périodes précises. Le récit le plus prestigieux nous vient de Waltraude, la cousine de l'empereur. Sa majesté a passé chacun de ses printemps au village jusqu'en 1905. Cette année-là, elle apercevait des fantômes dans le grand hôtel. Pauvre Waltraude, elle avait la réputation de voir des apparitions où qu'elle aille. Comment les donjons ont disparu? Revenons à 1440, les donjons ont disparu au bout d'un moment? En effet, la légende veut qu'un fermier intrépide soit entré dans chacun des passages pour chasser tous les gobelins, mais ne prenant pas ses histoires pour argent comptant. Plusieurs personnes sont déjà venues à bout de tous les donjons actuels d'Hinterberg, sans pour autant que les portails ne disparaissent. Vous imaginez une telle chose se produire? Bon, à présent, vous présentez notre matériel d'alpinisme du 19e siècle. La collection est somptueuse, vous allez voir. Bon, la flemme, hein. Putain, j'ai pas pu nettoyer mon équipement, du coup. Je me suis fait Bézax. Go dodo. En l'an 1440, un passage s'ouvre au beau milieu des bois dans la région. Un petit groupe de kobolds émerge du portail, pris de peur, les villageois quittent Hinterberg sur le champ. Les barres à thème et les produits dérivés n'existent pas encore, seule la peur primale prévaut. Psst. J'attends ton rapport, agent L. Viens t'asseoir. Monte, je t'offre le petit-déj. Non, ça serait trop flag, on va marcher. J'ai pensé tenir un scoop avec mon conduit à limon, je crois que c'est râpé.
Même substance, j'ai des égouts tous les matins à présent. Les gens n'en auront rien à cirer d'un vieux conduit rouillé. Même topo pour les tentacules, on a décidé de les ignorer. Donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, hein. Qu'est-ce qui se passe d'après toi? Une chasseuse de monstres hors du commun, toi, non? Je te retourne la question. Pourrait pas juste être un effet secondaire de la magie, on a déjà eu plus étrange dans les environs. Ouais, mais la magie est là depuis 3 ans, pourquoi elle réagirait maintenant? T'as pris le bus scolaire, t'as remarqué quelque chose d'intéressant dehors de l'absence de clim? Ouais, un autre donjon, tout compte fait, vous en avez 26. Ou alors t'en as visité un faux auparavant, ça t'évoque rien? Si. Ah. D'un côté, un donjon caché dans un endroit reculé d'intervalle. Et de l'autre, un donjon au rabais qui n'est en réalité qu'une grotte avec des LED en guise de portail magique. Quelqu'un s'est donné du mal pour installer un faux donjon, pourquoi ça? Une légende raconte que quelqu'un, quand il termine tous les donjons, ceux-ci disparaissent. J'ai appris ça au musée hier soir. Oui, tu piges vite! Il se passe quoi si c'est le cas? Je vais répondre pour toi vu que ça tombe sous le sens. Adieu l'argent du tourisme! L'argent du tourisme! Ça signifie qu'une certaine personne perdrait son travail. Les monstres du donjon factif m'ont paru étrange. Tu penses que c'est lié à notre affaire? Ça m'étonnerait pas. Wagner mijote un truc pas net, mais tu peux être sûr qu'elle va sortir les crocs maintenant que t'as découvert le vrai 25ème donjon. Vaut mieux de pas te confier à trop de monde pour l'instant, c'est ta seule cible. C'est la seule cible. Si les rumeurs de donjons secrets se répandaient, je l'imagine bien fermer une poignée de donjons pour empêcher les chasseurs de tous les terminer. Ouvre l'œil et le bon, Louisa. Il nous manque encore plein d'infos. On va le faire. On va surtout aller faire l'autre donjon 6 avec les phares dans la prochaine VOD YouTube. Ciao.